nouvelle aventure sur Saint-Loup. Venir se promener à Saint-Lô, franchement c'est cool. Il n'y a tout simplement personne pour venir vous embêter ou quoi que ce soit. Puis du coup on se promène à pied et franchement c'est cool. C'est une petite ville trop peuplée contrairement à Caen, contrairement à Paris, puisque moi je viens précisément de Caen. Pourquoi je tourne seul, pourquoi je tourne pas avec Monsieur Trixou? Tout d'abord parce que, comme Monsieur Trixou a pu mettre dans cette petite vidéo, peut vous expliquer, il lui aussi m'attend pour faire des vidéos unboxing. Et une fois que toutes ces vidéos seront faites, nous allons en faire d'autres ensemble. Bon, ce que je conclue de ce petit tour sur Saint-Lô, c'est qu'il n'y a rien à faire. Quand t'as pas d'argent et tu sais pas quoi faire, tu vas te promener dans la vie. Un tour au rempart de Saint-Lô, tu vas pas aller bien loin. Sur ce, j'arrête de voir une petite église. Elle, franchement, elle est top. Bah voilà, la petite visite de cette église se termine. En fait, il n'y avait pas vraiment grand chose à faire, mais surtout à regarder. Franchement, c'était plutôt intéressant. Ça fait partie du 18e siècle. Et ensuite, ils ont retrouvé des pierres qui sont tombées de l'église. Du coup, ils ont mis en décoration, enfin, en statue sur les murs. Et du coup, maintenant, ce que vous voyez juste derrière moi, c'est l'église en elle-même qu'on a pu visiter ensemble. Mais déjà c'est toujours mieux si on peut se balader avec du soleil. Aujourd'hui c'est mon dernier jour en fait où je passe sur Saint-Loup parce que demain matin je reprends le train. Et franchement c'était un agréable petit vlog que j'ai pu faire sur Saint-Loup. Si vous avez de l'argent, vous pouvez faire plein de choses. Mais si vous n'avez pas, comme moi, c'est un peu la merde. Bon, sur ce, moi je vous laisse avec la fin du vlog de la ville de Saint-Loup. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Alors, si vous aimez la vie, amusez-vous bien. Salut!